Allez, hop. Non, le café. Alors ça s'appelle X-Act. X-Act. Alors c'est très vieux, hein, mais il nous en restait plus beaucoup. Et, c'est un truc de boule. Et du coup, comme là il nous en reste plus qu'un, et bien du coup je vous le montre, X-Act. Parce qu'après ça va peut-être disparaître. Alors X-Act c'est quoi? Ben, c'est comme un Akan. Donc vous savez tout ce que c'est le... Enfin c'est pas un Akan réellement, parce qu'en fait j'ai une petite prédiction qui est depuis le départ à l'intérieur de cette enveloppe. Alors bien sûr je vous la montre pas, autrement il n'y a aucun intérêt, je la laisse là pour le moment. Et j'ai ici ben, un jeu de 52 cartes, mais dans un ordre bien particulier. Enfin, quand je dis bien particulier, il n'est pas totalement particulier, je vais vous le montrer. C'est que toutes mes cartes, moi, ont été placées, enfin je les ai placées dans un ordre particulier, pas pour vous, mais pour moi. Parce qu'en fait, je savais que ce soir, j'allais faire un tour à une seule personne, et cette personne allait me nommer exactement une carte qui est dans une position bien spécifique dans le jeu. Alors, peut-être que vous y croyez pas, mais alors du coup, je vais plus ou moins vous montrer le jeu un petit peu à tout le monde, et celui qui veut jouer, il joue. D'accord? Je vais le faire vite, hein, bien évidemment, hein, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Mais comme ça, peut-être que tu vas mémoriser quelque chose. Je sais pas, peut-être Gérard, toi aussi, tu vas peut-être mémoriser quelque chose. Ouais. Non? Peut-être Damien, peut-être que tu vas mémoriser quelque chose dans les cartes, une carte qui va te flasher peut-être, ou tiens, on va le faire à Michel aussi. Tiens, je te montre les cartes comme ça. Bon, déjà, ça me permet de voir qu'elles sont différentes. Peut-être que tu vas aussi flasher une carte. On va peut-être le montrer. Tiens, on va le montrer à Kevin. Voilà. C'est bon, chacun a... Enfin, vous avez rien vu, mais. Et du coup, c'est qui veut jouer? Bah, allez, je veux bien. Kevin. Je remets ça dans mon jeu. Tu veux bien jouer? Ouais. Allez, tiens. Je vais te demander de parcourir, entre guillemets, un jeu de 52. Okay. Et de, imagine, hein, de couper par exemple ton jeu, comme ça, et de compter le nombre de cartes que tu as en main. Ok. Et quand on aura envie, quand tu décideras de t'arrêter, tu t'arrêteras. C'est bon. Tu as combien de cartes? Dans les mains, je mets 12. Mais pile? Pile 12, ouais. Tu veux pas, je dis bien, hein, tu veux pas en rajouter une, ou en rajouter, en enlever une? Ou 12 piles. Il y en avait une partie. J'aurais fait tomber deux, je peux les ramasser. Ah oh, tu peux les ramasser. Donc, 14. C'est sûr. C'est moi qui ai quoi qui est. Est-ce que tu veux arrêter? Est-ce que on a l'impression que si je continue à te dire est-ce que tu vas en rajouter, est-ce que tu vas en non, enlever plus, mais... Et voilà, est-ce que tu penses que ça peut t'influencer tout ça? Non, non. Alors est-ce que tu veux garder 12 moi, là. Ou est-ce que tu veux garder. Tu m'as dit combien? 14. Ou est-ce que tu veux garder 14? 14. Sûr? Ouais. Maintenant, je te pose la question, donc tu gardes 14 dans ta tête. Tout à l'heure, là, enfin, tout de suite, on va compter les cartes. Et arrivé à 14, je te dis, putain, si j'avais su, j'aurais dit 12. ou j'aurais dit 15, ou j'aurais dit 16, ou j'aurais dit 7. Non, en fait, je pensais à 12, mais je me suis dit, il va y arriver, donc je me suis dit, bah, je pense à 14. Mais c'est pour ça. Du coup, ton choix dépend de la réussite du tour. Donc, tu veux rester sur 14? C'est sûr que je reste à 14. Sûr et certain. Sûr et certain. On ne change pas. Je sais, ça va t'énerver, donc c'est pour ça. Ouais, je veux pas. Après, c'est vrai que je te parle, vous êtes peut-être en train de penser que je l'influence pour qu'il change de numéro. Mais moi, je t'influence pas. C'est vraiment. Parce qu'après, ça va t'énerver. Tu parles pour lui montrer qu'il peut changer. Ah oui. On arrête là? On arrête là. 14. On regarde du bout des doigts. Regardez bien que je ne triche pas. 14 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 de pique. T'imagines, attends. 14, 8 de pique. Imagine que tu m'avais dit 12. Ça aurait été le valet de pique. Si tu m'avais dit 11, tu m'avais dit plein de cartes avant. Si tu m'avais dit 15. Tu m'avais dit 16, tu m'avais dit 17, 18, 19, 20, 21, 22. Toutes les cartes, toutes les positions possibles. Tu t'es arrêté sur une seule et unique carte, le 8 de pique. Pour la première fois, regarde, juste ici, du bout des doigts, je ne touche absolument rien, mais je le savais, car depuis le départ, j'avais une seule et unique carte. Oui, on peut vérifier qu'il n'y a pas de double fond, qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur, et je savais exactement. Il n'y a pas de tirage, les cartes, pas possible.
que t'allais pile poil m'arrêter sur le but de pique. T'as bien pu le venir, hein. C'est beau. Donc ça s'appelle X-Acte, c'est une petite merveille. X-Acte.